اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers sœurs, chers frères, aujourd'hui, Allah Azza wa Jal nous a encore réunis chaque année. Et Inch'Allah, on va essayer ensemble, bi'idhnillah, de cheminer dans cette quête spirituelle et d'essayer de s'enrichir mutuellement et de profiter des bienfaits de ce mois béni qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Le bienfait de l'accomplir, Inch'Allah, encore, de faire cette adoration du jeûne. Et c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'arrête pas de remercier, et on ne remercie jamais assez. On va essayer à travers séance, Inch'Allah, de s'élever, Inch'Allah, ensemble. Et de purifier nos âmes dans ce mois béni. À l'évidence, l'exercice spirituel que procure le jeûne du mois d'Amdem est de mettre alors de l'ordre dans nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala veut faire une pause d'un mois. Ce sont des vacances par rapport à toute l'année. De l'âme, c'est les vacances annuelles de l'âme. Alors l'âme, elle profite pendant ce mois normalement. On devrait la faire profiter de ce mois-là en remettant de l'ordre dans nos vies et ressortir nos âmes renfermées dans nos préoccupations mondaines pour les mettre à la tête de nos priorités. Le Coran al-Karim, dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il fixe la finalité du jeûne dès la première injonction, dès le premier ordre où Allah Azza wa Jal nous a ordonné de jeûner. Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et then, l'ultime finalité derrière cette adoration, c'est d'atteindre la piété, mais alors cette pratique cultuelle que nous faisons, qui est le jeûne, c'est n'est qu'un moyen pour s'élever spirituellement et vivre dans la proximité du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, en réformant nos âmes, nos êtres aussi, en œuvrant dans le bien, en résistant au mal, en se recentrant sur l'essentiel et pour à la fin rayonner autour de soi. Et donc, c'est l'objectif et la finalité derrière cette adoration qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit. Le thème d'aujourd'hui, on peut le considérer comme une exégèse thématique. Moi, je suis un peu fan de l'exégèse. J'aime beaucoup tout ce qui est tafsir, décortiquer les mots du Coran al-Karim, et méditer, et subhanallah, c'est là où on trouve vraiment notre bonheur, et c'est le jardin où se repose chaque âme et tous les âmes des croyants normalement. Le thème aujourd'hui sera autour d'un mot ou bien d'une expression qui est fa'inni qareeb. Alors cette partie du verset où après que Allah Azza wa Jalla nous a dit kutiba alaykum siyam, nous a prescrit siyam. Et après, il nous a donné des dérogations pour les personnes malades, pour les voyageurs. Et il nous a dit que, y a des versets après. À la fin, Allah Azza wa Jal nous dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Alors, pour vous dire une notion très importante dans le tafsir du Coran al-Karim, c'est pas, des fois, on pense que tafsir, c'est
On peut et faire l'exégèse de toute une page ou bien une multitude de versets. Mais un mot dans le Coran al-Karim, c'est vraiment un mot dans le Coran al-Karim est très lourd de sens. C'est pour ça que les savants ils l'appellent le terme Coran. Ils n'appellent pas al-Kalim al-Coran, al-Mustalah al-Coran. C'est un terme Coran parce qu'il cache derrière un océan, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, « Law kana al-bahru midada li kalimat Rabbi, la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi, wa law ji'na bi mithlihi madada. » C'est-à-dire que le mot coranique, si Allah Azza wa Jalla, si on cherche le sens des mots coraniques, on peut ramener, on transforme les océans en encre et pour écrire le sens des mots coraniques, les océans ne suffiront pas à traduire le poids et la charge de ces mots coraniques. Alors là, c'est pour justifier pourquoi j'ai pris juste un mot, fa'inni qarib, pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est deux fa'inni qarib, c'est deux mots, mais il y a derrière tout un sans ces deux mots. On va commencer tout d'abord par définir ces termes-là qui sont le terme de Qarib, ce sont le champ lexical de Qarib. On peut trouver un Qurb, c'est un rapprochement à bord, approche, proximité, voisinage, doigt, intimité, familiarité. Ça, c'est le Qurb. Qurban, on trouve aussi dans le Coran al-Karim, Qurban, le Qurban, c'est offrande, sacrifice. Qurbatun, c'est proximité, voisinage. Ensemble aussi, elle peut dire, ensemble des bienfaits faits par l'homme dans le but est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribun, proche, qui n'est pas éloigné, voisin, qui occupe la place la plus proche. Et aussi, j'ai rajouté un mot qui est ma'a. Ma'a, préposition qui veut dire avec. Alors, pourquoi j'ai rajouté ce mot? Parce qu'on le trouve, il traduit le mot qarib dans le Coran al-Karim et il est répété plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Vous allez voir l'utilité, inshallah, dans cette conférence, l'utilité de cette préposition ma'a. Le qurb ou la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala normalement est l'objectif derrière tous nos actes d'adoration, normalement derrière tout ce que nous accomplissons dans cette vie. Le croyant doit avoir cette intention et cette envie ardente d'être proche d'Allah azza wa jalla. Alors, c'est le but de cette vie, si on veut dire, on veut résumer, le but de notre vie, c'est vivre proche de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et vivre aussi de la manière à atteindre cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Ce sont les questions et les problématiques qu'on va résoudre, inchallah, à travers cette conférence. Comment un croyant peut-il être proche d'Allah Azza wa Jal? Alors, ni l'espace, ni le temps ne le limitent, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran al-Karim qu'il est qarib. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, il nous déclare, subhanahu wa ta'ala, qu'il est qarib. Alors, pourquoi avons-nous besoin de nous rapprocher puisqu'il est déjà proche, subhanahu wa ta'ala? Alors, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est qarib, pourquoi cherche-t-on à se rapprocher de lui? Que veut dire qarib? En fait, la proximité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran al-Karim, de sa proximité subhanahu wa ta'ala, il nous parle de deux types de proximité. Il y a deux types de proximité divine. La première, c'est une proximité générale par sa science, par sa parfaite connaissance, subhanahu wa ta'ala,
de toute chose, son observation, sa vision de toute chose. Il est là et partout et avec tout le monde, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une première proximité citée dans le Coran al-Karim, qu'on trouve répétitivement dans le Coran al-Karim, ou bien sous le nom de Qarib, ou bien sous une autre forme de qui veut dire implicitement qu'il est Qarib, qu'il est proche. La deuxième proximité, c'est une proximité restreinte, et celle-là, elle est réservée à ses adorateurs, à ceux qui l'invoquent et à ceux qui l'aiment, subhanahu wa ta'ala. Alors, on va commencer, puisque je vous ai dit qu'on est en train de faire une sorte d'exégèse thématique. Le thème, notre thème, c'est le Qur'an, c'est la proximité divine. Alors, la proximité divine, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit le long du Qur'an al-Karim? Qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, de sa proximité divine? La proximité générale, il est proche, subhanahu wa ta'ala, de toute sa création, de toute créature par sa science. Il connaît tout sur nous, subhanahu wa ta'ala, sur nous et tout ce qui existe, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, puisqu'il est, subhanahu wa ta'ala, le créateur. Bah, par sa parfaite connaissance de toutes choses, son observation, sa vision de toutes choses, alors Allah subhanahu wa ta'ala est le plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 16 de Sourate Qaf, que notre sœur Amina vient de réciter, « Wa laqad ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est une proximité générale? Cette proximité où Allah subhanahu wa ta'ala nous déclare qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, c'est une veine qui, je connais pas trop le corps humain, mais j'ai essayé de chercher. Ce sont des grosses veines qui font passer le sang du cœur dans tout le corps. Mais Allah, ces deux veines là, ils sont très proches de l'être humain, mais Allah Azza wa Jalla est encore plus proche que ces veines-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala est très proche. Mais cette proximité, ce n'est pas une proximité spécifique et ce n'est pas une proximité restreinte. Elle est donnée à toute la création. Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset de Sourate Al-Mujadila, ou Al-Mujadila, ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Alors le mot là qui va qui concerne notre conférence est illa huwa ma'ahum. Illa huwa ma'ahum. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ne vois-tu pas que qu'Allah Azza wa Jal sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Ça, il est qarib partout, de toute sa création. Pas de conversation secrète entre trois, sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq, qu'il ne soit leur sixième, ni moins, ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux
là où ils se trouveront, ensuite il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Cette ma'iyya et ce qurb, cette proximité divine, il est imposé à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, non, on laisse ça après. Alors, il y a ce verset aussi de Sourate Al-Waqi'a où Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant de l'agonie de l'être humain, Allah Azza wa Jal nous dit, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez point. Alors regardez, subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de celui qui agonise, alors que en général, la personne, quand il est dans son agonie, il est entouré par sa famille, par ses proches, par les personnes qui l'aiment pour l'accompagner dans ses derniers moments, mais on ne voit pas que Allah Azza wa Jalla est encore plus proche de lui que nous qui pensons être très proche de lui et on veut l'accompagner. Allah Azza wa Jalla est avec lui, plus proche encore avec lui. Et then, on va parler maintenant de la proximité restreinte, réservée à son élite, subhanahu wa ta'ala. Alors, la première partie du thème, elle répond à la question, pourquoi voudrons-nous être proches d'Allah Azza wa Jalla alors qu'il s'appelle parmi ses noms sublimes le proche, il est le plus proche, al-qarib. Alors, puisqu'il est qarib, alors la chose qui, walillahi al-mathal al-a'la, quand on est proche de quelque chose, on n'a pas besoin encore de se rapprocher. Mais non, tant qu'il y a deux sortes de proximité divine, la première, elle est générale, elle est imposée à tout être humain, à toute la création, alors que cette deuxième, c'est une proximité de privilège. Alors, c'est une proximité restreinte, réservée, on a dit, à son élite, à ses adorateurs, à ceux qui l'invoquent et à ceux qui l'aiment. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset de Sourate Al-Baqarah, « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds alors à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Alors, cette proximité qu'on veut, la proximité de l'élite. Alors, le qurb, alors on va, dorénavant, on va essayer d'utiliser le terme coranique, parce que même si je dis proximité divine, elle n'a pas la valeur de al-qarib, al-qurb. Alors que ce qurb est accordé à ceux qui le cherchent, et quand, Allah Azza wa Jalla dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors ils sont déjà serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, et il interroge sur Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire il aime le connaître, il aime savoir plus sur lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est chaud, c'est-à-dire ils ont cette envie pour connaître plus leur Seigneur. Alors, cette proximité est bien réservée à ceux qui le méritent. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, « Wa idha sa'alaka ibadi anni, mes serviteurs t'interrogent sur moi », Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset dans le Coran de Sourate Al-Isra, verset 65, Inna ibadi, encore le mot ibadi, laysa laka alayhim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Alors, Allah Azza wa Jalla a répondu à Iblis, la'anallah, quand il a dit que
il va égarer toute la descendance de Adam, alayhi salam. Allah Azzawajal lui a répondu, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Alors c'est cette protection qu'on est en train de chercher. Notre quête, c'est chercher cette protection divine pour gagner, inshallah, notre dunya et certainement et bien évidemment gagner notre paradis, inshallah. Alors on revient, juste je fais le point parce que c'est ma façon de faire, parce que des fois on a un mot et là peut-être l'une et l'un de vous il se dit mais qarib, mais afwan abd. Allah Azza wa Jalla, il parle de l'abd dans le Coran al-Karim. Des fois, en parlant du châtiment. Alors là, on va dire que le mot abd, qui est serviteur, on peut être serviteur d'Allah Azza wa Jalla, ou bien malgré nous, ou bien avec notre propre gré. Donc, celui qui est serviteur d'Allah Azza wa Jalla avec son propre gré, il s'appelle abd. Et celui qui est serviteur d'Allah Azza wa Jalla malgré lui, il s'appelle abd. Allah Azza wa Jalla nous dit que وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et dans la terre et sur terre se prosterne à Allah Azza wa Jalla ou bien par son propre gré ou bien malgré lui. Et donc, Comment différencier entre ces deux, les deux serviteurs, dans le pluriel? Quand Allah Azza wa Jalla, il met au pluriel, ou bien il parle au pluriel de ses serviteurs, ceux qui sont les serviteurs avec leur plein gré, Allah les appelle ribad. Et on a le fameux verset de Sourate Al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Alors, ceux-là, c'est qui? C'est ribad al-shukr. Ribad al-shukr. Il s'appelle Ribad et pas Abid. Alors, il s'appelle Ribad dans le Coran al-Karim. On trouve les autres qui sont Ribad al-Qahr. Ribad al-Qahr, c'est-à-dire ce sont des serviteurs malgré eux. Malgré eux, alors, il y a certes leur libre arbitre, il les guide vers l'égarement, mais leurs veines, le sang qui coule dans leurs veines, il coule parce que Allah Azza wa Jalla lui a permis de faire. La respiration qui monte et qui descend dans leur corps, il a l'ordre du Seigneur qu'elle le fait. Tout ce qui se passe dans leur corps, il ne se réalise et il ne se passe que par la permission d'Allah. Alors il n'y a que leur libre arbitre qui leur dit n'obéissez pas à Allah, mais eux, ils obéissent à Allah Azza wa Jalla parce qu'ils ne peuvent pas cligner d'un œil si Allah Azza wa Jalla ne le permet pas. Et Allah les appelle abid en pluriel. Rabb al-Alamin dit dans Sourate Al-Hajj, verset 10, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Voilà pour ce que tes deux mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Et voilà, la traduction, elle ne traduit pas cette différence. Et c'est de là, l'arabe, on peut pas, le Coran, on ne peut pas vraiment le traduire. Il reste un texte, le texte arabe, c'est le texte authentique qui est la parole d'Allah. Alors, les serviteurs, al-ibad ou al-abid, ils sont traduits de la même façon, alors que ce n'est pas la même chose. La proximité restreinte par élection. Alors on revient encore pour encore affiner notre recherche et on va revenir au mot qu'on a défini tout au début, la préposition ma'a.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate At-Tawbah, La tahzan inna Allah ma'ana. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré vers Médine et il a fui les Quraysh, et eux, ils voulaient le tuer. Wa idh yamkurubika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Alors, ils voulaient le tuer, ils voulaient l'attraper, il s'est caché. Alayhi salatu wa salam, et Abu Bakr al-Siddiq, son compagnon, avait un peu, il commençait à s'affliger, à avoir peur. Il lui a dit, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Alors, ceux-là sont l'élite de l'élite. Ils sont la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les plus durs moments, les plus difficiles des moments, ils sont la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est qui? C'est Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand il fuyait Pharaon et il a trouvé que la mer devant lui et ses compagnons et les Banu Israël qui étaient avec lui, ils ont dit Inna la mudrakoun, on est suivi par Pharaon. Comment on va faire? On a devant nous la mer, derrière nous les soldats de Pharaon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avec une quiétude qui n'a pas de semblable, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ya Allah, quelle sérénité, quelle quiétude, grâce à quoi? Parce qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils connaissent bien leur Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que sur Moussa alayhi salam, et quand il subhanahu wa ta'ala il le décrit dans sourate Maryam, il parle de Moussa alayhi salam dans sourate Maryam, il dit subhanahu wa ta'ala wa qarrabnahu najiya, et nous le fîmes approcher tel un confident. Être le confident d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu naji Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces gens, subhanallah, ils ont arrivé à un degré très élevé de spiritualité pour pouvoir être le confident d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azzawajal ne leur a pas donné les biens et les richesses et la vie ici-bas. C'est les épreuves en passant les examens, un examen après examen, épreuve après épreuve, qu'ils sont arrivés à ce degré très élevé. Nous, à notre époque, on veut être sous les climatiseurs, tranquille, on mange bien, on dort bien, on n'aime pas les épreuves. Et après, on veut être les proches d'Allah Azza wa Jal et les gens qui sont très proches ou bien à Allah. On ne peut pas aboutir. On ne passe pas les examens. Alors, et les plus grands des épreuves, qui les a passés? C'est Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah avait pris Ibrahim alayhi salam pour ami privilégié, être l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais subhanallah, et Allah azza wa jalla nous dit dans sourate Al-Baqarah وَلَقَدْ نَعَمْ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. Le verset, il me passe dans وَإِذِ بَتَلَى رَبُّ وَإِذِ نَعَمْ. Qui me rappelle? Ah, les filles du Coran. وَإِذِ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. Ah, بارك الله فيك. ماشاء الله. Il y a les filles du Coran, il y a beaucoup de filles du Coran, ماشاء الله. J'ai pas le droit à l'erreur dans le Coran, mashallah, je suis bien surveillée, bien accompagnée. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Les kalimat, ils sont les épreuves, les passer par plusieurs épreuves jusqu'à réussir à être l'ami d'Allah, le plus privilégié, le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont encore les
les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les gens du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans sourate Fatir, verset 32, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. At-Tirmidhi, l'imam At-Tirmidhi a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par meilleur que ce qui provient de lui. Qu'est-ce qui provient de lui, subhanahu wa ta'ala? Sa parole. D'avoir un lien étroit avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Et dans la continuité, il nous donne quoi? Il nous donne certainement la proximité d'Allah Azza wa Jal. On obtient... En adorant, en utilisant ce moyen-là, qui est le moyen de sa parole, on a un degré très élevé. En se rattachant à sa parole, on est en train de s'attacher au câble d'Allah Azza wa Jal. Tarafuhu bi yadillahi wa tarafuhu bi aydikum, comme a dit Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce Coran, c'est une corde. Sans le bout de cette corde, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre bout, il est entre vos mains. Et donc, il faut, Allah Azza wa Jal qu'il wa ta'simu bihablillahi jami'a. Il faut qu'on se rattache à la parole d'Allah, qui est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette corde, elle nous donne ce lien. Et plus on s'élève dans la corde, plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Nader dit, c'est-à-dire un Coran. Alors, le compagnon, quand il a lu le verset de « Wa'tasimu bihablillahi jami'a », il a dit, c'est-à-dire le Coran. Il y a un autre compagnon, Khabbab ibn al-Arad, qui dit: rapproche-toi d'Allah Azza wa Jal parce que tu peux, mais sache que tu ne pourras te rapprocher de lui par une chose plus aimée de lui que sa parole, subhanahu wa ta'ala. Idhan, ubashirukunna, bonne nouvelle, ubashirukum jami'an, bonne nouvelle à toutes et à tous, à toute personne qui est attachée à sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui lit sa parole, qui médite sa parole, il est parmi l'élite d'Allah. Istafayna wa astafa, le mustafa, c'est-à-dire élire, et cette élection, elle est faite pour les prophètes. Allah Azza wa Jal qu'il Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Regardez le mustafa, Allah Azza wa Jal yastafi. Il fait l'élection parmi les malaïka, parmi les anges, et l'élection parmi les gens aussi, et l'istifa ici parmi l'humanité entière. Allah Azza wa Jal, il fait une élection de personnes pour leur donner quoi? Pour leur faire hériter son livre, subhanahu wa ta'ala. Et then, aussi, le Coran nous dit que l'endurance, la piété, la bienfaisance sont des moyens pour aboutir ou bien réussir à gagner la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. Et c'est pas la seule. Là, j'ai pris une, mais Allah ma'as sabirin, il est répété. J'ai pas fait un sondage, j'ai pas compté, mais il est répété plusieurs fois dans le Coran. Inna Allah ma'as sabirin. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Then, Allah Azza wa Jal, regardez, on va méditer encore sur ce verset. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
Inna Allah ma'a as-sabirin. Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'a al-musallin. Il a dit, Inna Allah ma'a as-sabirin. Certes, subhanahu wa ta'ala, il est avec le musallin, avec ceux qui font la prière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est doux, tellement il est rahim, il est miséricordieux. Il est toujours avec celui, le faible, la personne qui est éprouvée, la personne qui a une envie, qui endure l'une des difficultés de cette vie. Allah Azza wa Jalla l'apaise ici-bas avant de lui donner encore la récompense la plus grande, Inch'Allah, dans l'au-delà. Then, Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, Inna Allah ma'a, regardez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure ma'a, avec, Inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinoun. Certes, Allah est avec ceux qui ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Dans Allah Azza wa Jal, il est avec ces personnes-là, ces catégories. Alors cherchons nos places, et essayons. Si on n'est pas dans l'une des places précédentes, on a encore, alhamdulillah, on a ces places-là, on peut se mettre ou bien avec les endurants, ou bien avec al-muhsinin, ou bien avec al-ladina al-muttaqin, al-ladina al-taqaw. Un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qudusi, c'est un hadith qudusi, c'est-à-dire c'est un hadith divin, rapporté par un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et hier, jazallah khair, Oustad Halim, il a donné une explication de hadith divin. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de Qala al-Rabbihi, Allah dira le jour de la résurrection, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Alors, l'homme répondra, Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le maître des mondes? Ne sais-tu, Allah subhanahu wa ta'ala répondra, ne savais-tu pas que mon serviteur, un tel, était malade? Pourtant, tu ne lui as pas rendu visite. Si tu l'avais fait, tu m'auras trouvé auprès de lui. Alors regardez, Allah ma'a al-marda, Allah est auprès des malades. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est doux, comment il est rahim, comment il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rabbi, subhanallah, Allah Azza wa Jal éprouve pour rapprocher. Il éprouve pas, subhanahu wa ta'ala, pour faire du mal. Hachahu, subhanahu wa ta'ala. Et then, nous, on parle, certes, visiter le malade, c'est une grande adoration. Mais moi, je m'arrête sur quoi? Sur que le fait que Allah Azza wa Jal se trouve auprès ou bien au chevet du malade. Alors, quelle proximité? Alors, subhanallah, إذن المريض في رحمة الله وفي رعاية الله وفي قرب الله سبحانه وتعالى. إذن, comment faire partie de cette catégorie? Allah Azza wa Jalla nous dit dans un verset de Sourate Al-Ma'ida, إني معكم, on revient au mot معكم, Inni ma'akum, avec vous. Inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittez de la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors j'essaie de faire un peu vite parce que là le temps il nous presse. Des fois on passe toute notre vie. Il y a plusieurs personnes qui passent la majorité de leur vie à amasser les fortunes et essayer d'avoir se préoccuper de la famille et des enfants. Ceci n'est pas interdit en islam, mais avec modération. Sachant que la chose prioritaire dans la vie, c'est adorer Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Donc, l'amour, ni les biens, ni les enfants, nous nous rapprocherons à proximité d'Allah Azza wa Jal. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien, ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Allahumma, qu'Allah nous l'accorde. Aussi, on a cette bonne nouvelle qui est As-salatu bisatul qurbi. La prière est le tapis de la proximité. Alors, parmi les moyens les plus efficaces pour gagner la proximité du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est la prière. Wasjud waqtari. Sachant que, Rasoul alayhi salatu wassalam, pour nous, quand Allah Azza wa Jal voulait prescrire la salate, Allah Azza wa Jal ne l'a pas prescrit en envoyant Jibril avec les versets, bien avec ses ordres, et il les a fait descendre comme il l'a fait avec tout le Coran. Non, il a appelé, subhanahu wa ta'ala, le jour de l'ascension, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, عَرَجَ بِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ est monté au ciel pour prendre la prescription de la prière. Et depuis, la prière, c'est l'ascenseur qui aide à monter tout serviteur vers son Seigneur. Et donc, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء. Le moment où l'adorateur est plus proche d'Allah Azza wa Jal est celui où il en prosternation multiplie donc les invocations. Le mot là, on va revenir au nom d'Allah Azza wa Jal, Qarib. Qarib dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, fa'inni Qarib. Mais dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal a annexé le nom d'Allah Azza wa Jal Qarib avec Mujib. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui, mon Seigneur est bien proche, il répond toujours. في سورة سبأ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle, car il est audient et proche. Alors on va voir quelle est la relation entre Qarib, Mujib, Sami', quelle est la relation entre ces trois noms d'Allah Azza wa Jal. En revenant au verset de Surat al-Baqarah, on va trouver quoi? Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qu'est-ce qu'on va profiter de Qurb Allah Azza wa Jal? أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'a pris, qui me prie quand il me prie. Et donc, المجيب والسميع, Allah قريب. Parce qu'il est سميع, سبحانه وتعالى. Parce qu'il entend tout ce qui se passe dans ce monde. Il entend حتى دبيب النملة. Quand la namla, quand la fourmi marche, Allah entend sa marche. حفيف الشجر حفيف الورقة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Allah عز وجل connaît tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Et quand, puisqu'il entend tout, puisqu'il est قريب, et il entend tout, subhanahu wa ta'ala, le serviteur qui lui demande, certes il va l'exaucer et يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. Then le Coran al-Karim est très beau. Il y a beaucoup de richesses qui nous aident à s'élever, à se rapprocher de lui si on en profite. Then
venir à ici, cet homme, rahimallah, il a dit, le cœur vit dans un état de désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il contient une solitude que seul peut dissiper la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contient une tristesse que seul peut apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui subhanahu wa ta'ala. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant auprès de lui. En vérité, la possession de ce bas monde et ce qu'il contient ne pourrait jamais combler ce manque. Ben, cette proximité, c'est une belle parole dans Madarij as-Salikin. Ce livre-là est traduit en français. C'est le sentier des itinérants. Ah, merci beaucoup, Roumaïssa. C'est le sentier des itinérants. C'est un livre magnifique. Essayez de lire ce qu'il y a comme les méditations. Ce sont des méditations magnifiques. Quelle récompense d'être muqarrab dans ce monde, dans ce bas monde. Alors vous allez voir, et quand le cœur réussit enfin à goûter aux délices de la proximité divine et se sentira comme a décrit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallah, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine, où que j'aille, ils sont avec moi et ne se séparent pas de moi. Jannati wa bustani fi sadri aynama dhahabtu fahiya ma'i la tufarihuni. Alors subhanallah, ces personnes-là, ils ne s'affligent pas, ils ne s'attristent pas pour dunya, parce que la source de bonheur, ils la portent entre dans leur poitrine. Ils vont la chercher où? Mais quelle est la récompense d'être muqarrab dans le delà? Allah Azza wa Jal nous donne la bonne nouvelle dans ce verset de sourate Al-Waqi'a. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors du repos, de la grâce et un jardin de délices. Qu'Allah nous l'accorde, ya Rabbi al-Alamin, qu'il nous accorde l'apaisement du cœur ici-bas. Inch'Allah, qu'il nous accorde, Inch'Allah, cette récompense qui est Ar-Rawh, Ar-Rayhan, Ar-Jannatu, Ar-Na'im, ya Rabbi al-Alamin. Alors, on va, à la fin, c'est وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جزاكم الله خير, تقبل الله منا ومنكم الطاعات والأعمال, إن شاء الله أن يكون في ميزان حسنات من سمع ومن ألقى, يا رب العالمين, جزاكم الله خير. ليه عبد الله؟ السلام عليكم. السلام عبد الله. أنا هنا. J'étais tellement passionné, j'étais tellement dedans que voilà. Mais mashallah, c'était une très belle présentation. Et mashallah, on a senti justement la proximité avec Allah. Ça a coupé, mashallah. Abdullah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on t'entend, Abdullah. Vous m'entendez? Ça a coupé un moment? Oui. Ou bien c'est moi qui a coupé. Il a tenu jusqu'à ce que, que la conférence est finie. Oui. Vous m'entendez? On t'entend très bien, Abdoulaye. Ouais, je disais, mashallah, c'était une belle présentation. Et on a justement senti cette proximité avec le Coran, avec Allah. Et on vous remercie beaucoup pour cette belle présentation, mashallah. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu pour toutes les personnes présentes. Inch'Allah, je sais que c'est un moment très compliqué, surtout pour les mamans de famille. C'est un peu comme, mais alhamdoulilah, inshallah, qu'Allah mette la baraka, inshallah, dans le restant du temps, inshallah. Alhamdoulilah, en tout cas, il y a eu beaucoup de monde, si je ne me trompe pas, il y a eu une moyenne de 140 personnes présentes, et mashallah, tout le monde était passionné et accroché à ce que vous avez dit, mashallah. Alhamdoulilah. Donc, inshallah, on va passer à la séance de questions-réponses. Bon, il est 19h, mais on va peut-être dépasser un peu, je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes
toutes les poser, mais Inch'Allah, on va commencer. Ah, il y a beaucoup de questions, j'ai pas vu. Ben, en fait, j'ai quelques questions d'aujourd'hui et il y a les questions d'hier aussi. Inch'Allah, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, la première question, c'est chaque terme dans le Saint-Coran a une ou plusieurs interprétations. Comment en saisir à la fois la compréhension, le sens, le message qui est derrière et enfin l'interprétation véridique? Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Interpréter le Coran al-Karim n'est pas facile. Il n'incombe pas à n'importe quelle personne. Il faut vraiment avoir beaucoup de bagages pour le faire. C'est pour ça qu'il faut utiliser les tafsir que les savants, les grands savants, sachant que, vous savez, que le savant, il ne se donne pas à l'interprétation du Coran qu'à la fin de sa vie scientifique. Vraiment, il passe par beaucoup d'études, c'est à la fin où il fait un tafsir. Il y a beaucoup qui sont morts, ils n'ont pas fini leur tafsir. Comme tafsir Jalalin, celui-là, il a été fini par quelqu'un d'autre. Abu Zuhra, par exemple, à la fin de sa vie, il a écrit un tafsir, il s'est arrêté à Surat al-Naml et il est mort avant de finir le Coran al-Karim. Sha'rawi, pareil. Alors, le tafsir, il demande vraiment un grand, grand, grand bagage parce que, comme vous venez de le dire dans votre question, que le mot, il a beaucoup, les mots, ils ont beaucoup de sens. Alors, pour avoir un sens exact, le savant, il parcourt tout le Coran pour avoir le mot, et il place le mot dans les versets dans le Coran pour avoir le contexte, pour connaître les circonstances de la révélation du verset, pour comprendre aussi un peu Sira, pour avoir aussi une compréhension de Usul al-Fiqh, de Al-Lugha al-Arabiya, une bonne compréhension, connaissance de la langue arabe. Vraiment, c'est un chemin très, très long. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup, alhamdoulilah, de plus en plus des tafsirs qui sont traduits en français. Qu'Allah, inshallah, nous aide juste à les lire et à essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces tafsirs. Oui, bismillah. Barakallahu fiki, cher Oussada, la réponse était complète, mashallah. Et ça nous, justement, ça nous amène à avoir beaucoup d'humilité, justement, parce qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de chers Google et autres. Et oui. Voilà, pour comprendre le Coran, il faut beaucoup d'humilité et du temps et du savoir et de la compréhension. Barakallahu fik pour votre réponse. Deuxième question, comment arriver à sentir cette proximité divine? Je pense que vous y avez répondu tout au long de la présentation, mais la question a été posée. La proximité divine, comment la sentir? Vraiment, chacun il a un accès à son Seigneur. Comme là, j'ai pas voulu le dire parce que ça va me prendre encore, ça va allonger la conférence. Fa'inni qarib, Allah Azza wa Jalla nous dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Oustad. Oui, malheureusement.
Malheureusement, ça a coupé. Oui, là, on vous entend de nouveau, Stéphane. Oui, oui. On s'est arrêté où? En fait, la question, c'était comment arriver à sentir cette proximité divine? Oui, comment arriver à cette proximité divine? J'ai beaucoup parlé, mais je me suis rendu compte à la fin que j'étais en train de parler sans connexion. Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit, « فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Je suis proche. Allah Azza wa Jalla n'a même pas dit « قُلْ » dit que je suis proche. Il a dit directement « je suis proche ». Les ulama ont dit, les savants, les exégètes, les savants de l'exégèse ont dit que « فَإِنِّي قَرِيبٌ » c'est-à-dire « أَرْبُ الْعَالَمِينَ » il n'a même pas mis l'intermédiaire de la parole du prophète. On a accès à notre Seigneur. Chacun avec ses capacités, avec ses possibilités, il faut juste purifier nos cœurs. Pour purifier nos cœurs, parce que le cœur, Allah Azza wa Jalla dit dans un hadith, لم تسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي. Ni mes terres, ni mes cieux ne m'ont suffi, mais le cœur de mon serviteur m'a suffi. Mais le cœur, c'est quel cœur qui suffit, qui a la grandeur du Seigneur? C'est le cœur pur, al-qalb al-salim. Alors, il faut travailler sur soi. Notre quête, normalement, doit être de chercher cette proximité. On n'a pas d'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance, on va prendre ça ou bien une recette, on rajoute ça à ça et on va voir la proximité. C'est un cheminement, chacun à sa façon. Chacun, il travaille ou bien il œuvre de la façon que Allah Azza wa Jalla lui a accordé les possibilités de le faire, mais il fait son maximum et Allah est au-dessus de nous et il voit la sincérité de chacun.